Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 21 sur Tomb Raider. Et toujours plus on avance, toujours plus de cascades, d'attaque et de furtivité. Et voilà! Non mais dites donc! Ils sont sur le ponton! Oh bah j'en ai rien à foutre! Ils peuvent même être dans ton cul, j'irai pas plus vite! Ouais, de toute façon, t'as dit que tu voulais te barrer sans moi, alors t'as qu'à crever, va, sale pute! Rien à branler, moi, de ta vie! Oh là là, voilà, et ça parle mal, ça! Ah mais tu vas mourir, Reyes, cherche pas, c'est dans le script! Non, pas Jonah, Jonah il est gentil, Jonah il a des. Il a des belles répliques. Non, je veux pas que Jonah y meure. Bon, pour Jonah, je reviens. Allez, ça va, tu m'as eu. Tu m'as pris par les sentiments. J'arrive. Voilà. Ouais, bouge pas parce que toi, tu vas en prendre du plomb dans le ventre dans pas longtemps. YOLO! Utilise le canon de 72, là, bordel! Oh! Oh, cet enfant, je vous jure. Allez, gosse, c'est chiant, hein. Allez, on fait tout au fusil. On est taré. Reyes, tu es blessé. Reyes, t'as perdu un bras? Non. Ah merde. Est-ce que t'es toujours conne? Attends, on fait voir, regarde. Même de dos? Ah ouais, non, t'es conne aussi. Cette fois, j'ai vraiment cru que c'était la fin. J'ai vu personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais toi, tu vois jamais personne. Il a emmené Sam pendant l'attaque. Il va sûrement la ramener à Mathias. C'est notre faute. Merde. Enfin, c'est ma faute. Alors on fait quoi? On peut prendre le bateau et chercher de l'aide. Eux aussi, ils y ont cru. Tu avais raison pour Whitman, mais... Mais tu as vu les tempêtes. Elles ciblent les bateaux qui s'approchent. Des scientifiques qui étaient là pendant la Seconde Guerre pensaient que les tempêtes étaient contrôlées depuis la chambre des rituels qui est près du monastère. Je n'ai pas toutes les réponses, mais l'enlèvement de Sam est lié à tout ça. Et si on essaye de partir sans comprendre pourquoi, on mourra tous. Oui. Comme les pilotes. Et comme Ross. Il y a une étoile, en fait, au milieu du monastère, qui contrôle les tempêtes, parce qu'il y a... Je sais pas ce qui se passe, mais... Il y a l'âme d'une prêtresse millénaire qui est enfermée dans on un corps mort. On ne peut pas retourner à la forteresse, c'est du suicide. Ce n'est pas là qu'ils vont. Ils vont l'emmener à la chambre des rituels. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir se rapprocher. Écoute, je sais bien que tu veux retrouver ta fille. Je comprends, tu sais, mais le combat n'est pas fini. Je ne te demande pas de me croire, Reyes. Je veux que tu me fasses confiance. Allez. On va mettre ça à l'eau. Par le pouvoir de Vaiana de Manui. Allez. Vaiana. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il fait l'amour au bateau, quoi. Tu seras prête, monte sur le bateau. Ah non, je suis pas prêt. Je vais d'abord aller améliorer toutes mes armes. Attends. On a au moins deux armes en attente depuis un ou deux épisodes. Du cul, je vais les chercher. Tu me prends pour qui, toi? Arc de compétition. Ah bah voilà. Voilà, ça y est, on est prêt pour les Jeux Olympiques. Ah oui. Boum. Arme de compète. Fusil à pompe de combat. Maintenant, ça va chier. Fusil à pompe moderne quand on a fusil à pompe de combat. Maintenant, ça y est. C'est Rambo qui sort. Il y en aura le cul, des conneries. Vous voulez la guerre? Je vous donne une guerre, vous allez en chier, mec. Eh bah. Oh putain, il déchire. Il déchire tellement maman. Oh là là. Il fait l'amour à des mamans. Alors, qu'est-ce qu'on a? Boîte de culasse modifiée. Boîtier de culasse modifiée. Oh, je sais plus dire. Un mécanique personnalisé augmente la performance et les dégâts produits. Donc le fusil à pompe devient goldé. Et là, oh, c'est tellement beau. Juste pour la beauté du truc, j'ai envie de le prendre. Tellement c'est beau. 400 et là... Le boîtier de culasse à 300... Hey, il y a peut-être moyen qu'on les a tous les deux. Il y a moyen qu'on les a tous les deux. Voilà. Fini de plaisanter. Comme dit le succès déverrouillé. C'est pas faux. Là, ça déconne plus. Le fusil à pompe est à 100%. Moi, je dis oui.
Il nous manque juste ce chargeur grande capacité pour qu'on aurait peut-être fini le flingue, je crois. Je crois. D'ailleurs, le silencieux qu'on n'a jamais utilisé. On a été très cons. 250, c'est bête. Et l'arc? L'arc, il y a tellement de choses maintenant. Non! Et on a des flèches explosives. Oh! Tellement la beauté, la bonté, la... Oh, la chose délicieuse. Les flèches explosives. Oh! Et là? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Équilibrage du poids. D'accord. Juste cette connerie, ça équilibre le truc. Alors, il nous faut combien? Pour les flèches explosives, 650. Oui, ça va voir tout de suite. Hein. 300 pour l'équilibrage. Et la flèche perforante. Les tirs chargés perforent les armures ou traversent les ennemis non protégés pour toucher plusieurs cibles. 650 aussi. Ah oui, l'arc commence à coûter hyper cher en fait. Ouais, je vois pas trop le changement sur les flèches, mais bon. On va dire qu'elles sont perforantes. Faut qu'on se rappelle qu'on est un silencieux maintenant sur le pétard. Donc ça veut dire que si je fais ça, si je fais ça, pétard avec le silencieux. Ça déconne plus. Pétard sans silencieux. Pétard avec silencieux. C'est merveilleux. Allez, vas-y, emmène-nous. Maintenant je suis une tarée. On dégomme tout. C'est décidé. Lara, qu'est-ce qu'on va chercher là-dedans? Tu tiens vraiment à le savoir? Non. Sam. Mais dis-le quand même. Eh bien, l'âme de la Reine Solaire est restée prisonnière d'un corps sans vie. C'est sa colère qui est à l'origine des tempêtes. Si nous détruisons ce corps, les tempêtes cesseront. D'accord. Et pourquoi Mathias veut Sam? J'en sais rien. Et c'est ce qui m'inquiète le plus. Écoute, je sais que ce plan doit paraître insensé. Ça, c'est sûr. Mais je crois qu'on n'est plus à ça près. Alors on y va. Ok. Alors si Reyes commence à se soigner de sa connerie, moi je dis c'est beau. Pétard. C'est ok. Vaiana de Vanui, c'est ok. Accostage, ok. Ok. On y va. Et toi, t'as mon ancien fusil. Reyes et toi, vous surveillez l'entrée principale pendant que je recherche Sam. Tu comptes y aller seul? Plus on sera nombreux, plus on aura de chances d'être repérés. En restant ici, vous allez pouvoir éliminer un maximum de ces salauds. Et je ne parle pas seulement des Solari. Il y aura autre chose. Des samouraïs, les gardes tempêtes. Bref, si ce n'est ni Sam, ni moi qui approche, vous tirez. Ma petite Kai, on se reverra. Ça, je te le promets. Oh merde, tu avais fait des si belles phrases jusqu'à maintenant. Pourquoi là, tu commences à parler comme un salaud de macho? Ma petite Kai, non mais dis donc. C'était le seul qui avait encore gardé la tête froide. Et maintenant, ça y est. Sam est plus là, Alex est plus là. Il croit qu'il peut peut-être essayer de se taper Lara. Non mais oh. Est-ce que j'ai l'air d'une fille aussi facile que ça? Non, 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 monsieur. Je vous dis non, non, non. Où est-ce qu'on va? Là-bas. Non, pas au pistolet. Bim! Allez, on accroche ça et on monte. Même pas besoin du truc, on s'en fout. Voilà, hop, on monte. Allez. Maintenant qu'on a un arc façon Rambo, on n'a pas encore ses flèches, mais on a déjà l'arc. On peut plus s'arrêter. Sam, elle est vivante. Oui, Mathias aussi, on dirait. Et Whitman. Qu'est-ce que vous faites, docteur Whitman? Qui sont ces... Ils n'attendent plus que d'être présentés à leur nouvelle reine, par celui-là même qui a su nous la ramener. Ah. Bien sûr, bien sûr. Ces tribus archaïques n'ont pas de secret pour moi. La reconnaissance, James. Qu'est-ce qu'il fait? Je suis le docteur James Whitman. Je viens à vous en paix. Je vous amène votre nouvelle reine. Oh non. Votre reine. Mais tu vas te faire couper en deux, toi, t'as rien compris ou quoi? Votre... Johan. My...
Vivons la terre! Bon bah Whitman il est mort comme un caca hein. Ça y est. Ça c'est assuré. Whitman, es-tu là? Es-tu encore là Whitman? Allô? Allô Whitman? Déjà? Déjà en squelette? Ouais, décomposition est rapide ici. Bon. Tant pis. Adieu Whitman. Il nous aura bien fait rire dans ta mort pourrie. Voilà, j'ai cru qu'elle allait pas s'accrocher. Elle me fait toujours peur hein, quand elle fait ça. Allez, on y va. Lara, on compte sur toi. Attention, prise de risque. On y va, on continue. Toujours plus loin, toujours plus haut. Hop. Passe ton joli petit cul par la fenêtre. Regarde Tempête. Il protège toujours la reine après toutes ces années. Olé. Il se passe quoi là? Faut savoir qu'on peut pas les tuer. Reste calme! Tiens! Toi tu peux peut-être pas, mais moi je peux encore les buter. Garde Tempête, j'en ai rien à foutre, je suis un dingue. Allez, on y va. Garde Tempête, Garde Tempête, je t'en foutrais un bon coup de pioche dans le cul et puis c'est bon, hein, plus personne. Hein. Alors, essayons par là. Ça brûle ça, oui. Merveilleux. Mais qu'est-ce que ça... Ah, un passage, carrément. Ok. On y va, peur de rien. Peur de rien, envie de tout. Allô? Faut pas mourir, Lara. Mais j'avoue que le gros, là... Ça aurait été un peu too much hein, d'essayer de le buter. Il y a du monde hein. Oh, de l'XP en barre. Est-ce que je peux en avoir? Merci. C'est possible de... Ah, c'est au-dessus. Oui. Non, ils ont rien vu. Il y a quelque chose par là. Histoire de savoir si je me fais chier pour rien. Oui. Yap là. Toujours plus de soldats hein. On passe vraiment au nez et à la barbe. Qu'est-ce qu'il lui prépare à ce mec? Tellement de gardes tempêtes tout partout même. Hop là! Oh, oh, oh. Oh merde! Pour deux crânes tout pourris là qui traînaient, mais merde! Oh là là! C'est... Oh! Jolie flèche! Ah d'accord! Ouais! Cours Lara! Cours! Cours pour ton cul! Ouais! Toujours plus vite! Toujours plus loin! Wouhou! YOLO! Ah, je vois les ballots là, ça me rappelle la bouée. Je sais toujours pas à quoi elle a servi notre bouée en fait, de la faire tomber. Mais bon, c'est pas grave, on s'en branle. Hein. Volé! Paf! Allez, hop! Et voilà les deux! Non mais oh! Faut se calmer, hein. Paf, Laura. Alors, vas-y. Ouais, quand même. J'allais dire. Deux fois de moi.
Putain, le rat, il vaut toujours 15. Hein. C'est la lose. La lose ultime, le rat. Toujours plus d'XP. Allez, donnez. La prière que j'ai trouvée sur le général suggérait qu'une âme prisonnière... On a pas assez. On s'en fout, le rat. Ah, pardon. Voilà. Allez, ratatouille. À la maison. Pif. Ah là, ça donne tellement d'XP, ça veut finir le jeu, hein, rapidos, on dirait. Essaye de gagner les derniers points qui te manquent, c'est la fin. Ah ouais, on est un petit peu à l'autre bout, là. Ouais, là, on s'est planté dans le chemin, j'avoue, le GPS a merdé. Raté. Continue de tirer. Repousse-les. Mais y'a quoi ici en fait? Y'a rien. C'est juste un putain de décor qui veut me faire chier. Voilà, d'accord. Ok, bonjour. Pourquoi ces bouts de bois ont jamais bougé depuis 10 000 ans et là aujourd'hui ils bougent? Je comprends pas tout. Ah, on dirait qu'on ne veut pas que je passe. Ah. Oh, ça a même disparu. Ah, encore ce mal de ventre qui me revient. Il va avoir du monde avant d'arriver à Himiko. Je sais pas comment Mathias et Sam sont passés, mais ils sont là. Et lui, c'est comme le gros de tout à l'heure. Allez, venez, j'ai peur de rien. Mais depuis quand ils jettent des... Te moque pas de moi! Qu'est-ce que tu veux, toi? Oh! Recommence ça et t'es mort. Non mais dis donc. Ils ont vraiment des grenades? Allô? Ah oui? Putain, puis les mecs visent bien. Hein. On va éviter. Allez, d'accord. Oh merde. Hey, j'avais justement gardé le baril pour vous. Bam. Et paf! Non, ça te plaît pas? Et bah bon! Hop! Ah, raté! Zut! Zut du cul! Pif! Paf! Ouais, va falloir vous calmer tout de suite là, les gens. Aïe! Non, je peux pas vous gérer tous les deux. Va falloir vous calmer. Ah bah toi t'es tout seul. Hop! Hop! Arrêtez, ça ne vaut pas le coup. Voilà, je vous avais dit que ça ne valait pas le coup. Oh oh. Ah, le mec se barre. Hein, ballon au cul, mec. Tu crois que je te vois pas? Bah, arrête pas, je t'ai vu. Putain, les mecs! Et il est résistant! 3 balles de fusil à pompe à bout portant, le gars il bronche pas, tranquille. Il le vit bien encore, limite.
C'est tout? Est-ce qu'il y a encore du scraps? J'aimerais bien mon plein de scraps. Oui. Ah oui, encore. Toujours plus. Encore. C'est ouf. Mais il y a des morts qui sont réapparus ou quoi? Mais lui aussi? Bah bon. Il aurait pas du scraps, hein? Non, il y a des munitions. Alors c'est mort. J'utilise le fusil, on me donne des balles pour la mitraillette. J'utilise la mitraillette, on va me donner des balles pour le fusil. C'est l'apocalypse du jeu ici. Ah, des balles pour le fusil. Et encore, j'en ai trop. D'accord, j'ai pas compris. Apparemment, je dois utiliser des balles qui ne coûtent rien. Oui. Toujours plus loin, toujours plus haut. Essayons de voir s'il y a quelque chose à récupérer, mais on dirait bien que non. Donc on est bien. On avance. Aïe! J'ai fait mal! Raté. Ramène-toi, j'en ai rien à foutre. Tiens, bim. Merde! Je vais y arriver. Tiens! Allez! On va montrer la puissance de la technologie du 21e siècle. Aïe! Allez, ramène-toi, Samurai-san! Qu'est-ce que tu fais? Mais oui, va où? Qu'est-ce qu'il fait? Il est aux fraises ou quoi? Un petit bâtard. Vas-y, essaye de te foutre ma gueule, tiens. Oui, voilà, meurt. Un meurt de décès. Ah oui, j'ai oublié le scraps. C'est important, le scraps. Au dernier niveau. Faudrait pas abuser. C'est les derniers moments pour garder tout ce qui nous reste. Et moi, j'aimerais bien voir. Ouais. Reste à terre, boss, tu crois bien. Aïe. Et ça pique. Oh, oh. Comment je t'ai feinté, mec? Oh, bah d'accord. Bah, tiens. Bam. Ouais, bah tiens, casse-toi la gueule, ça te fera du bien. Et toi, calme ta joie, d'accord? Non mais oh, Samurai-san. Allô? Comment ils peuvent avoir stocké des grenades, les samouraïs? J'ai pas compris. C'est pas important. Wow! Et bim! Sont où les petits samouraïs? Bah, il est là. Voilà. Voilà, t'as fait de la merde. T'as fait de la merde, Coco. Au revoir. Hop. Hop. Ouais, on va se calmer. Aïe. Et ça pique à ma chouille. Et bim, t'es tombé dans le piège. Est-ce que ça t'a fait mal, Samurai-san? Voilà, aïe. Eh, dis donc. Oh!
Tiens, essaye de voir avec ce que tu peux faire avec ça, mec. Wow! Ouais, moi aussi, je sais le faire, hein. Tiens! Oh, mais oh! On va se calmer, là. Moi aussi, je sais me battre. Non, mais dis dedans. Ouais, moi, j'ai dégommé toute une armée de samouraïs, je suis un fou. Pourquoi tu t'arrêtes? Qu'est-ce qui t'arrive, là? Je comprends pas tout. Cette fille, des fois, me laisse perplexe. Hein? Pourquoi t'es rien? Non? Mais enfin. Y'a pas des morts ici? Ah bon? Je comprends pas pourquoi. Mais non. Enfin là. Et puis. Rien à foutre moi de leur forteresse de merde. Et fonce tous. Donne du scraps, merci. 800 de scraps, putain, on pourrait tellement améliorer des trucs là. Ça avait presque pleuré. Y'a rien ici. Y'a que dalle dans votre forteresse de clodo là. Oh là là. On se fait tellement chier ici. Allez, on se casse. Ah! Gertrude, justement, on te cherchait, on se disait, t'es la seule qui est pas venue ici. Wow, wow. Ah. Gertrude est indisposée pour le moment. Au revoir, hein. Bon, sur ce, on se dit à très bientôt pour le prochain épisode. Portez-vous bien d'ici là, n'oubliez pas le petit pouce bleu, la cloche, l'abonnement et surtout de partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, Tomb Raider, it's mighty!